Bah, je vais parler des expériences qu'on a menées nous depuis 10 ans autour du Languedoc-Roussillon. On a réussi à fédérer plusieurs milliers de citoyens qui ont investi des millions d'euros dans la transition énergétique. Ce qu'il nous faut, c'est des exemples du concret, des choses sur lesquelles on puisse travailler ensemble. Il faut remettre les gens au travail autour de projets communs et de projets qui leur sont utiles et qui leur permettent à la fois d'exprimer leur potentiel, de donner du sens à leurs compétences et de produire des infrastructures, des services, des liens, tout un tas de dispositifs qui vont permettre ensuite de survivre à la crise énergétique qui nous attend. Alors je dis ça avec le sourire, mais on est vraiment au tout début de la crise et que là il va falloir vraiment se bouger pour changer la donne si on veut réussir à passer le cap jusqu'à 2030. Rejoignez la nouvelle campagne du Mouvement Colibri et ensemble, mettons en place les conditions d'un véritable changement.